Va-t-il réussir à sortir du lac de sel? Réponse dans cet épisode. Alors là, c'est du réveil. Le muezzin à 6h du mat. Donc là, je suis sur la route pour aller au lac de sel. Il n'y a vraiment personne. Et puis, je suis très surpris d'avoir traversé là un village où on me demande de boire le thé avec Tari. Et puis ensuite, je m'arrête pour prendre une photo du panneau du lac de sel. Et puis, il y a un mec qui s'arrête, il me demande si je suis perdu, est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Et il me dit, bah oui, la route, elle est bien là. Le camping, il est par là si tu as besoin. Et puis après, il voulait m'offrir des boissons fraîches. Je lui ai dit que ça allait. Là, c'est vrai que je préfère boire du chaud que du froid. Et voilà, j'ai hâte de voir ce petit lac de sel quand même. Ça va me rappeler des souvenirs quand je suis allé au lac de sel là, en Bolivie. Il y a maintenant 6 ans, je deviens vieux. Découvrir le lac de sel, je viens de m'apercevoir que ma roue arrière, mon pneu vient de crever. Donc je suis au milieu de nulle part. Il n'y a absolument rien, j'espère juste que c'est la chambre à air. On va la changer. Hein. Ah, je pompe, hein. Putain, ça sent l'expérience là. Normalement, ça devrait être bon. Ah putain, deux fois! Je pédale sur le sel.
Mauvaise nouvelle, là, le pneu arrière, il se dégonfle. Alors que c'est une nouvelle chambre à air, donc je pense que c'est le pneu qui est mort. Donc je sais pas du tout comment je vais finir les 50 bornes, là, c'est inquiétant. Au début, je méprisais un petit peu le GPS qui me disait que j'allais mettre 5 heures pour arriver jusqu'à Akasara, et bah, il aura totalement raison. C'est peut-être le premier moment où je doute de ce que je fais, là. Je suis dans une situation de merde, je sais pas où je suis, j'avance tout droit. Ça fait la 25e fois que je suis en train de le faire depuis le début de cet après-midi là. Enlever les sacoches, pomper, s'arrêter, recommencer. Putain. Mais merde! Putain! Bon, on va continuer dans les galères. Maintenant, je suis en sablé. Là, j'ai plus d'eau. Je vois toujours pas de ville en face. Ça doit être 16h. Dans 2h, il n'y a plus de soleil. Putain. Franchement, j'ai hâte de voir quelqu'un, là. Juste voir quelqu'un dormir au chaud, prendre une douche. Je suis le plus heureux des hommes. Pour vous résumer l'histoire, des paysans m'ont aidé en me donnant à manger et de l'eau. Et c'était Ahmed et Mehmet. Et ensuite, ils ont appelé leur propriétaire de la ferme pour savoir si je pouvais dormir dans la ferme. Et le propriétaire a refusé. Donc c'était à la tombée de la nuit, j'ai décidé de marcher un peu. Et quelques mètres plus loin, il y avait d'autres paysans, Tahir. Et c'est lui qui m'a aidé en me donnant à manger de nouveau, du thé. Et il a pris sa voiture et m'a emmené jusqu'au prochain village. Et grâce à lui, bah, c'est lui qui a appelé la police pour venir me chercher. Et c'est les policiers qui m'ont ensuite emmené au poste de police. Donc je peux dire officiellement que j'ai été embarqué par la police turque. Que quand je suis arrivé au poste, les policiers, ils ont arrêté un pick-up et ils leur ont demandé où ils allaient. Ils allaient à Ksaray. Et voilà, donc j'ai fini la route grâce à Omer. C'est le nom du pilote. Et il m'a déposé juste devant la maison de Shemnem, c'est mon appartement. Et franchement, bah, c'était une histoire de fou. C'est peut-être l'une des plus belles que je peux raconter de ce voyage, de la générosité, l'hospitalité et l'entraide des Turcs. C'est pas du film, c'est la réalité, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et franchement, bah, c'était peut-être la journée la plus difficile de voyage que j'ai eu à faire, mais c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, maintenant direction la Cappadoce. Eh hey, pep là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir.